J'ai moyen de faire beaucoup de gold dès le début. Non, non, dose. Avec Jhin 3, je l'atomise. C'est même pas close. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que Jhin 3, quand il est chosen, déjà, il commence avec plusieurs tourelles sur le bench. Et à chaque fois qu'il caste, il en met genre 4. En plus d'avoir des stats décuplées, genre. Même avec ses dégâts bruts, il peut rien faire. Je te jure que Jhin 3 c'est not even close. Il y a du stun, oui, mais il n'y a pas du stun en backline. Et en vrai, si j'ai Jhin 3, tous mes mannequins, je peux les mettre front, je peux faire plusieurs lignes de défense. Et Jhin, je le mets solo backline. Et il a pas le temps en fait, Jhin. Non, 9-9 trop damage, ça ne gagne juste pas contre une Lèche 3 en fait. Le seul truc qui gagne contre une Lèche 3, c'est une autre Lèche 3. Plus forte que la précédente. Oui, le Jhin 3, il a genre 10k HP, un truc comme ça. Enfin, peut-être pas 10k, mais genre 7 ou 8000 HP, genre. Ils ont beaucoup d'HP, les Lèches 3. Il manque un gold. J'aurais pu faire un palier. Chance, je vais vendre ça. Faire un palier. Ça sent le start de composant là, non? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Garde la paire de cannon. What does in kill you, le problème c'est que t'as tout le temps full 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 mec qui open et tu te fais tout le temps griffe ton what does in kill you. Mais d'un autre côté, là j'ai une tire et une baguette, donc c'est quasi certain qu'on joue AP, donc on veut le streak pour aller chercher la deuxième tire, donc on veut prendre what does in kill you. Et au passage, on peut faire full économie. Reste à savoir si on doit full open ou pas. Yeah. Ouais, je pense qu'on peut poser un board. Ouais, on peut poser un board. Je vois personne d'autre en full open. Après, c'est pas comme si on pouvait tuer des unités. Mais on peut collecter les sentinelles. Et allez, ça commence. Les mecs ils prennent Cybernetic Bulk pour open. Ah, oh, Cybernetic Bulk en 1, 4,53 d'average, je crois, si c'est pas. Si ça a pas bougé. Quatre cinquante d'average. Le mec il prend un truc à 4,50 d'average et il veut pas jouer, genre il open. Il open dès le 2-2 en plus, il attend même pas, il essaye même pas de save des HP sur ses 3 premiers rounds, le mec il est en mode vas-y je pose rien. Et lui pareil, il pose rien. Ils se sont déjà. Il y a deux mecs qui posent pas de board. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Après, moi, l'avantage, c'est que j'ai tellement de gold que. Que c'est pas une grosse pénalité.
C'est trop relou, je vous ai dit à chaque fois que je... Moi à chaque fois que je clique sur What Doesn't Kill You, il se passe ça. C'est parce qu'il y a deux mecs qui veulent pas poser de board. Hop là, et il travel encore. Ciao le streak mon pote. Merci pour la good loss. Faute de Volta? Absolument pas. Absolument pas la faute de Volta. C'est toi qui as le win parce que lui il est venu sur ma map. C'est toi qui travel, c'est toi qui gagne le round dans un 50-50. C'est un 50-50, mais 50-50 décidé par, par qui va sur la map de l'autre en gros. Ok, on a gagné un flip, maintenant faut gagner l'autre. Dire en ENA ça faisait des full, ça faisait des gros open déjà il y a déjà une plus d'une semaine. Un mec qui avait fait un post ouais comment j'ai réussi à climb en jouant 80% de mes games en open. Et à partir de là tout le monde a commencé à full open. C'est que les mecs t'es open pour Tony qu'on augmente. Non je pense pas que ce soit pour me target moi en particulier, juste il y a un portail, ça veut dire que c'est moi qui vais travel. Ah, ça veut dire que si je suis contre Hypno on Twitch, c'est moi qui perds. À moins que... Parfait. Ça peut être échangé ce truc de portail. Un peu random le portail. Je suis le roi du pétrole, ouais. On est bien là. On a notre blue buff. Après, on passe déjà 6 comme ça, prochain tour, on a déjà un 2 cost à 100%, peut-être même un 3 cost. On va pouvoir passer 7 en 3-2 là, vu l'écho. Faut essayer de bricoler un board avec nos prochains natural rolls. On va faire une Ionic Spark, je pense. Ionic, Steadfast, maybe. Ça, on verra. Dans Nashor, I guess. Blux. Je suppose que Lux est ok, non? Y'a pas de frontliner dans mes shops là.
peut attendre pour les items. Je me choque pas d'attendre. Et cette Lux, je pense qu'elle va pas faire grand chose, mais si elle peut tuer 2-3 unités, c'est bien. Alors, je pense qu'on peut peut-être tuer l'ISO là, si elle peut un laser. Ah non, elle a pas crit. Si elle avait crit, on aurait pu tuer l'ISO, je pense. Hey Emric, merci pour le sub. Viego 3, c'est fort Viego 3, comme toutes les 4 cosses. Hein. Je sais pas ce que tu veux que je te dise comme avis. Tous les 4 cosses niveau 3 sont forts. Ok. Et il est fine ce mannequin. Alors qu'on a toujours pas de front, mais... C'est un autre problème, ça. Arrête de soigner. Mais il soigne trop. Je peux pas tuer un Olaf 2. Ok, je peux tuer une Lulu. C'est vrai que tu te dis que normalement dans ce spot t'es un peu stressé, mais... Comme je sais comment caper ma comp, je suis assez serein là, je vous avoue. Ouais, Lux c'est vraiment nul à chier, mais je pense que je pouvais pas être trop difficile et il fallait que j'accepte le chosen qu'on me propose. Là en 4 dazzle ça va être un peu mieux peut-être. Ça me dérange pas particulièrement de le perdre en fait, parce que à partir du moment où je fais mon all-in, je pense qu'avec les golds que j'ai, je perds plus en round. Tu stream moins en ce moment? Ouais, j'en ai parlé sur Twitter. C'est le temps des snapshots GSC. Je prends un peu plus de temps off pour le jeu et pour moi aussi. Je full tryhard ATM. On veut un arc, non? Je pense qu'on veut Beast Harry en prio. C'est Nico. On peut mettre Nico Gnar over ces deux-là. Ce qui est bien, c'est qu'on va cache un composant. Ça fait 8 défaites. Bon bah on a Gunblade. On a le Bis. Le BIF. Best in slot.
C'est le genre de spot où tu t'en bats les couilles de scout pour voir qui te conteste parce que tu sais que. Tu sais que si tu fais ton all-in au wall, y a personne qui peut s'aligner, genre. T'envoies quand? J'envoie soon. Je pense qu'on va envoyer pendant le PB, le PVE, pardon. Vas-y, go essayer de gagner ce round, c'est un gold, c'est pas grave. Je pense que c'est winnable. Tendu mais winnable. Par contre faut qu'elle crit sinon ça n'est pas winnable. Guys. Je crois que lui aussi il veut jouer Harry. Mais il a tellement moins de gold que moi. Lui aussi il veut jouer Harry. Que combat caster c'est pas dégueu mais dans mon spot je pense qu'il me faut plus de front donc crash test ça peut être cool. Je pense que c'est crash test hein. L'arc ira forcément ici. On n'a pas vu de Blitzcrank. Mais on a Echo 2.
Je me dirais le mannequin, on pourrait le mettre comme ça. Ou ici. Pour la sauna dedans. Mais du coup on profite pas du calice. Donc calice front c'est pas mal vu que tous mes frontliners profitent du calice. Non je peux mettre genre juste Echo et Mordé dedans maybe. Pas. On verra de toute façon là on va 9. Static ou Genzo hein, un des deux. Sunfire c'est ok aussi mais c'est pas dingue. Un cran à droite sonnette dedans. Non elle est pas dedans. Je pense qu'il faut les coller si tu veux qu'elle soit dedans. Ou alors je mets Sona en dehors de la case KDA. Ou alors je la monte d'une case. Genre je fais ça et ça marche quoi. Mais je pense qu'on veut qu'elle soit tout derrière. C'est un peu chiant. Avec le layout que j'ai. Ça va peut-être TJ Yorick en vrai. Snail t'aime pas? Non j'aime pas. Je t'aurais TJ Yorick hein, c'est plus fort. On fasse 9, on rentre une Kiana. On met Blitz over lui. On reste en 4 sentinelles je pense. On peut pas vraiment jouer les 6 dans ce spot. Il a pas tant de front que ça. Si ça avait été un 7 à la place d'un Amumu, j'aurais été dans la merde, mais du coup, qui joue les items sur Amumu, il tank pas beaucoup. Du coup, on gagne. Pour gagner ce match-up, il faut 10 close sur 7. Sinon, tu tankes pas la Harry. La compo c'est du bug abuse. Ah c'est fort hein. Après on peut faire ça mais... Steadfast, ok. Et un blink bonus. Kiana après. On peut faire un autre TG. Mais je pense qu'on veut un steadfast. On veut tanker un peu plus. Et on va prendre un gant. On push le next.
Je mets là parce qu'il y a une luxe. En 6 sentinelles, ce matchup il est ok. Mais en 4, c'est chaud un peu. On perd la streak, mais ça fait 2 gold. On fait en cut quoi là? Le Yorick. Le Yorick c'est fort. Thresh maybe. Thresh 2 c'est fort aussi. Je pense qu'on cut les 4 sentinelles quand on a Eloy. On perd trop de front, je sais pas. Il a pivoté. C'est fort Yorick hein. Peut-être over ça. Mais il faut un meilleur truc à mettre que Mordé. Peut-être Poppy ou Gnar. Ah non. Ah, on peut pas. Il essaye de s'infiltrer avec sa Riven là. Mais le mannequin va sauter ici. Ah, il a pas réussi à taunt. Et on a tué l'Even Shroud. Et la Riven elle dash de l'autre côté. Elle proc le Edge of Night. Et c'est bon. Just go 10, ouais. Et généralement dans cette comp t'aimes beaucoup avoir Qiyana. Mais sans item... Sans item ça me dérange un peu de jouer Qiyana. Si au moins on avait un petit Edge of Night à lui mettre, un petit Jeep peut-être. On a de l'anti-heal, on n'a pas d'anti-heal. Ok, TG. Ok, bon vas-y on va le rentrer cette Qiyana. En vrai, on peut cut le 4 sentinelles. Pour une Qiyana TG, ça se fait. Hein. Est-ce que je vais 10? Akali over Lilia. Pour un round ou deux, je suis ok que c'est peut-être bien, mais à terme, c'est pas bon parce que tu veux, c'est plutôt Mordé que tu veux enlever. Sinon, on garde ce setup et on joue. C'est pas un bon matchup ça. Je pense que quand j'ai Yorick 2, lui, je le pulvérise, mais. Je peux pas aller 10 hein. Je dois roll down.
Ok. Ouais, si j'avais pas roll, je serais mort. Ok. Et l'œil. Attendez, comment on fait? Je mets le mannequin ici. Je pense qu'il faut sortir la sauna du KDA et la mettre dans l'attack speed. Jin trop damage. Mistrage 3. Maybe. Ok, lui c'est juste tentacule corner. On est bien. Petite différence dans le match-up quand on met les tentacules corner, juste petite différence. Faire tomber D3, aïe aïe aïe, je suis tombé dans le D3 de Gibraltar. Je sais qu'il y a le bouton clear all mais... J'ai mal placé ma Qiyana. Ah quoique non, elle est bien placée au final. C'est un peu de la chance quoi. Il reste la Lux. J'ai Illaoi 2, j'ai gagné la game. On devrait juste se focus sur Illaoi. J'ai pas d'anti-heal. On va prendre Sunfire. Bien Sunfire. Et TG pour un Thresh 2. Bon, Sunfire.
Il est passé 9. Pour ajouter une Katarina. Bon. Non, Lux peut pas carry en late game contre Eloy. Il pourra pas s'en sortir. Je sais pas comment il s'en sort là. En plus, il avait un bon TG là. Cette fois-ci. Le TJ Yorick est pas mal. Ah, il tente un autre angle avec Lux, ok. Ouais, en vrai, pourquoi pas. Mais du coup, il se prend le mannequin. Ouais, stationary plus crash test, le combo, et je le trouve vraiment incroyable. Late game, c'est légendaire. Et un gant qui dort, tu vas en faire quoi ce gant? J'ai toujours pas réussi à farm le moindre item. Puis tout à l'heure, si j'avais pu farm un seul composant avec cette Qiyana, j'aurais un item complet là. C'est pas moi qui choisis hein. Sona, Red Buff, GG's, Canada. Là, on peut mettre le gant sur Echo maintenant pour le blink bonus. Voilà, il n'y a plus aucune chance de gagner hein, avec Eloy 2. Les tentacules sont trop tanky. Hein. Ah, j'ai mon item. GG's. Next.